Bonsoir, madame. Veuillez excuser mes compagnes, c'est pareil, toutes les nuits, c'est plus fort qu'elles. Il faut qu'elles racontent. À vrai dire, il y a toujours dans les chambres communes, fussent-elles spacieuses, un relent de caravane s'éraille. Les rêves s'en mêlent, quoi qu'on veuille. Les murs se souviennent par à coup. On marche sur les mots des autres, c'est un peu chaotique et désordonné. Pour le reste, madame, pas d'inquiétude. Le docteur Kotschelling a veillé au confort des lieux. Le local est chauffé, la nourriture acceptable et le personnel excellent. Certes, la nuit en effectif réduit, limité au veilleur qui vient à intervalles faire son tour de surveillance, mais on s'habitue. Le temps passe ici sans saccade et l'on finit par s'attacher. De toute façon, il y a tout lieu de croire que vous serez dès demain dans une chambre privée et agréable. Il faut le temps qu'elle se libère. Et là, je vous rassure, la vue sur les grands arbres du parc ne le cède en rien au jardin de nos plus beaux hôtels.